matière de colonisation, avait conclu activement, non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'analyse. Au sommaire, le TP Mazembe champion d'Afrique. Un match non retransmis par la RTNC, la télévision nationale congolaise, et le tout sur fond des récupérations politiques. Les dossiers dialogue, l'imbroglio continue. Précision de l'analyse du week-end sur la présence de Kabila Dar es Salaam. On va boucler cette édition avec la page des divers. Bonjour Kerwin. Bonjour à tous, maizo.com vous remercie pour votre fidélité. Merci à tous les sites qui nous relaient. VAC Radio, congodis.com et bientôt un site au Japon va commencer à nous relayer. Premier sujet. Le TP Mazembe, champion d'Afrique. Tout puissant Mazembe a bêtaki finale à Champions League contre une équipe algérienne et tout puissant Mazembe a gagné qui donc a commis pour la cinquième fois champion d'Afrique à Champions League. Alors, il y a un match moko événement continental pour Champions League et Zali la plus grande coupe y a Afrique hein, après Coupe d'Afrique des Nations. Et coupe wana et bêtamaki na Lubumbashi na stade y a tout puissant Mazembe. Mais malheureusement, pour la raison inexpliquée, télévision nationale congolaise est retransmetta qui match wana te. Mais soko tali malamu, et Zali nango pour des raisons politiques. Le kola mikolo oyo. Il faudrait qu'on démontre noir sur blanc que Bangona Katumbi bazana conflit, Kabila na Katumbi bazana conflit, et que télévision nationale, ezali télévision nationale te mezali télévision a PPRD. Donc le col ezali télévision a PPRD. Même ceux qui certains membres y a PPRD bazali ba supporter y a Mazembe, ba roi oyo bazo diriger Congo ba décider que na télévision nationale match wana ko lekate et match wana lekakite. Izalaki honte continentale parce que RTNC ezali na satellite batwazo tala yango à travers le monde. RTNC ezali chaîne publique, ezali censé kozala l'église au milieu du village et que match ya Champions League ezali match moko oyo et générera ba revenu publicitaire et belé. Donc ba préférer na bango ko passer outre ba revenu publicitaire. Batu na Kinshasa, un peu partout na Congo, batala ka match na ndenga ko djembela na balopango ya batu oyo bazali na babonnement Canal Plus. C'était la honte totale et absolue. Soki toyebi que même RTNC wana, ba déploya ki trois équipes. Moko na Kinshasa, moko na Lubumbashi, moko na Kisangani, moko na Mbujimayi, donc quatre équipes s'il vous plaît, y compris na Goma, cinq équipes. On a qu'on retransmettre voyage un avion d'occasion et ça là qui qu'on sala au nom de Congo Airways car on a qu'on la qui sa que Kabila zo sala bien donc il faut qu'elle en a pouvoir deux coucou bazin yakala 8 ans d'âge ba sombi yango et ça le premier voyage ba déployer ba moyen ba memi ba tuna stade pour on a qu'on retransmettre mais événement oyo et ça là honneur ya pays wana il y avait pas de RTNC ba ko prétendre na bango problème technique mais na environnement to sana ngou mikolo ko ndima ki zala ki problème technique c'est difficile à croire donc il y a fort à parier que ezala ki pour des raisons politiques alors match wana betami Mazemba gagné récupération politique et salami Katumbi azo félicité ba parti à pouvoir na et opposition au ba ki na stade. Un match de football, batubayaki na stade, ko soutenir une équipe du pays, batubayaki na stade, na lobi bien une équipe du pays, parce que zali équipe ya pays, hein, bien que, même en apoto, ba joueur, ba outaka partout, ba somba kalima, zembe la compris, ils ont fonctionné comme équipe ya a en apoto. Donc, lobi na terrain, il y avait que deux Congolais, Kidiaba na Moussous. Les restes, ba Ghanéens, ba Tanzaniens, ba Zambiens, hein, ben c'est une équipe, où yo ba recruta un peu partout, ba Angolais et tout ça. Donc, Yaron Nazo Loba, c'était une équipe du pays. Voilà. Donc, équipe y a pays, ils ont bêta match.
batu baya ki en tant que ba sportif baya ki ko représenter ba parti politique te na ba remerciement na ye il n'avait pas à remercier des partis politiques, c'est du jamais vu. Kamere a se déplacé na ba cadre nyonso à UNC presque ba nyonso et ba communiqué comme tel pas que bango x songolo pakala tout ba ke ko tala match non bazaki ko communiqué en tant que ba membre ya UNC. Et bah c'est déplacé bah qu'est na Lubumbashi kota la match. Wana pezali récupération politique. Et bah eko la kisake bango na kotumbi bazali ensemble. Sûrement bah retombé ya rencontre na bango basala ki dernièrement na Londres. Et que Katumbi G7 Kamere ndenge to comprenez ki lobi na stade bah komi ensemble Katumbi Kamere et G7 bah officialiser d'ailleurs makambo bah taiko sala déjà na coulisses. Et bah se servir na match à football pour na ko faire passer pe message politique wana. Alors où va le pays? Ce qui bon, la politique ça rangango partout, hein. Il y a une politique économique, il y a une politique sportive, il y a une politique d'éducation, il y a une politique en tout. Mais wana tozo parler de politique politicienne. Moi bah bisbi politique na bango bah ramener yango na kati ya match à football. Ça c'est vraiment déplorable. Toyo, que pensent les Congolais na Sagaya, Katumbi, Kabila, Kamere, les trois kawa na ba Congolais wazu pensent. Loko la toza na ba statistique te pour dire que pensent les Congolais. Oyo nyo sotokoki koloba avec précision et kozala ba supputation. Mais tout ce qu'on peut dire, ezali que Congolais a zadupté. Congolais a yebi pourquoi situation na yezande nyona. C'est à cause de la classe politique. Et dans la classe politique, il y a qui? Il y a Kabila, Katumbi, Kamere, Kamitatu, Mwando Simba, Mende, Kinkye Mulumba, Atundu et consorts. Baza na katia classe politique. Ba Kengo, ba Nani, tout ça. Yaman a l'obara na lobi, problème ya Congo. Et ça la kate, oh majorité opposition, problème ya Congo, c'est la classe politique contre la population. Pour ba yebi sens et intérêt commenté. Ba yebi, baza ba homme d'état. Bazali juste ba ventri batumoko bazali wana pona politique du ventre voilà to benga bango ndenge wana bazali wana kaka pona ba kilote na bango pona ba poche na bango pardon yango na d'un côté nous avons les 100 kilotes c'est-à-dire la population et de l'autre côté nous avons les dents longues c'est-à-dire la classe politique des fois tokoki koloba les 100 dents, la population, et les dents longues, la classe politique. Donc, batwaza na bango député, ba yebi ke moi ba alliance wana ba nini ezali kaka pona ko protéger gâteau na bango, mutu moko te asana réellement pona ko reconquérir indépendance politique ya mboka, pona ko stopper humiliation à Congo et pona ko développer réellement mboka de telle sorte que Congolais a ko vivre dignement dans son pays. Donc, Batbaza dupté, Bazomo, on a ce qui s'est fait. Tolekin a deuxième sujet, le dossier dialogue. Dossier dialogue, imbroglio et zo continue, on a dit désordre. On ne sait plus qui fait quoi, avec qui et comment. UDP sa lobby, alingi dialogue, na communauté internationale. En attendant, Azo sa la pré-dialogue na Kabila. Mais après, information bimi que Bato UDP sa va kena Kinshasa pour na dialogue. Mais démenti à IDP c'est bimike batwana baké na Kinshasa pour na dialogue té bako dialoguer na Kabila té bango bazo c'est la dialogue na communauté internationale. Majorité présidentielle à lobby dialogue très bientôt d'ailleurs Tshisekedi ya kozala. Mais baté belé o opposition bazo lo baké bako zala té basi ba s'inscrit bako zala. Mais force ou dynamique de l'opposition ba lobby bango balingi dialogue na Kabila té. En attendant information bimi balobi ke balingi dialogue na Kabila te me balingi rencontre majorité opposition na société civile. Alors quelle différence si l'information s'avérait entre dialogue na rencontre? Pour avant bo dialoguer faut beaucoup temps. Beaucoup temps ni boba dire ko solola ko dialoguer na lingala ko solola. Rencontre na lingala ko kutana. Est-ce que ceux qui bango balingi dialogue te balingi rencontre? Mais différence c'est ani. Pourtant, on va rencontrer des rencontres, on va beaucoup d'ensemble, des avocats dans l'imité, comme Bina, ou comme Baloukana Mabele, ou comme Kouta dans Poba Solo.
Donc, wana eza lesusu embrolio mususu eutu ko bakisama na dossier wana. Alors, Congo News abeti rétropédalage libose koma kiono bataille de peswana ezali kimbuta mutabengisa ki bango enfin bref, l'information yo so bango ba pesa ki ezali okuta. Et to démontra kango l'autre fois que il y a manipulation. Bon, to kenda ki jusqu'au bout ya penser na bisoté parce que d'abord l'analyse ne doit pas aller au-delà de 50 minutes, c'est trop long. Ce total liba statistique, botala kango à peu près 33 minutes. Donc, information to yiko pesa ba point de vue nyonso et la manipulation qu'il y a dans cette histoire. Bon, certaines personnes nous ont reproché oh to pesa ki une fausse info. Émission oyo ezali émission ya information té. Ezali émission ya analyse, ya information oyo et pesa meli na ba média misusu. Et to sitaka toujours ba source na biso. Alors, l'information c'était quoi? L'information c'était Batumi balé ya IDPS basa na Kinshasa pour na dialogue et que ezala ki démenti par Batwa IDPS. Alors, ceux qui veulent des précisions. Donc, on précisait d'abord que cette information était fausse et tant qu'on lobby que Balobi toujours le même journal et lobby que Kabila akenda ki Dar es Salaam te po akuta na na cité ya Oyuya po asolola na ba délégué ya IDPS entre autres. Ce n'est pas une information que Bisoto Pessi, c'est une information que ce journal a donnée et qui est fausse. Et Tozaki ko luka ko démontrer où jusqu'où peut aller la manipulation. Alors, tokende, le quoi batbalini to pesse information, to ken information. L'information c'est quoi? Information c'est que Kabila akendaki investiture il y a président Magufuli na Tanzanie. Ler nga na lobaki que Kabila zobanga kobima, ce n'est pas faux. Kabila zobanga kobima, il assure ses arrières. Mais koloba ke Kabila zobanga kondima, et ni koloba te que Kabila zobima kate. Azobima na bobangi en prenant toutes les précautions pour mikolo yo mbokeza keba keba. Donc akenda ki na Tanzanie, place Magufuli apreta ki serment na stade dans la joie la plus totale, population bazoyemba bazobina pendant que yemoko apreta serment na camp militaire en dehors, il y a population, et avec un seul président, il y a qui peut protéger l'intérêt économique du pays, c'est Robert Mugabe. Donc, il y a un pays place, il y a un pays que, Makambo Salami, démocratiquement, la population se retrouve et bat bazo bina. Mais il y a Azala Kiwana, Paul Kagame, Azala Kiwana, Museveni, Azala Kiwana, sans honte. Et la plupart des présidents, Azala Kiwana, il y a un pays qui a Côte d'Ivoire et pas à Ouattara, pour Ouattara, pour l'élection, il y a un pays qui a un pays. Le deux seul président Bakendeke pa Ouattara, ezali Yayi Boni ya Benin, azaki ko représenter une organisation sous-régionale, et Macky Sall ya Sénégal, akendeke pe na kombo ya Sénégal te po azalaki ko représenter UMOA. Mais sinon te alinyaka beta ne pe poto, kasali prestation de serment na ye seul, batu bayete. Donc, Kabila kendaki, Dar es Salaam, pe ke information o ya journal Congo News, que atikalaki na cité ya Oyuya po na ba solo la makam, c'est une fausse information. Et ngai tango na sala ki analyse, je n'ai jamais affirmé que cette information était vraie. Bien au contraire, na sala ki ko démontrer qu'il y a une manipulation sur le dossier dialogue par rapport à ce journal. Et l'information à analyser c'était que est-ce que Kabila akutanaki na batu ya IDPS ou pas. C'était ça l'information analysée. L'information, ce n'était pas est-ce que Kabila voyageait ou pas. Ça, ce n'était pas l'information. L'information, ce n'était pas celui-là. Parce que ce Botaliba sujet n'a il y avait un autre sujet sur prestation à serment. Il y a président Magufuli et to orienta ki ango autrement parce que to komaki na fin ba minute exact sur ce belete poto zongela aspect il y a Kabila qui était là ou pas. Donc la manipulation continue dans l'Ikambo dialogue. Alors, n'est-ce que le time will tell? Les 15 ans, nous avons dit que tu là. Banani Baroya, Banani Baroyate, Banani Barozala, Banani Barozalate. Tu es là, 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 Washington. Azo kende ko sala ba conférence na ye na Chicago, donc il est sorti normalement ndenge kamera bimaka ndenge katumbi bimaka ba makambo oh, ba botoli passeport ça ne tient pas la route. Mais yepona bima il faut zo autorisation ya Aubin Minaku parce que azali parlementaire
et que parlementaire pour Bima, il faut avoir autorisation, il y a président et assemblée nationale. Donc, quand on fait partie des institutions, ben, bah, contrainte, c'est ça, yangoana. Avant voyager, il faut s'enga permission. Ceux qui va pêcher à voyager, ceux qui va boy, à fandina pays. Voilà. Divers. Jeune Afrique vient de publier un article sur le FDLR qui sent la manipulation. Boyebi journal wana jeune Afrique, et ça l'a crédible été. Et ça, un article, moi, que bimaka en France sur le pays africain, bah, pêche à jeune Afrique, bon. Bon, on les a fait perdre la jeune Afrique, crédibilité, nango, surtout les acteurs en chef, nabango. Dernièrement, bah, Congolais à Brazza, bah, Kenneki, qu'on brûlait, bah, journaux, devant, bah, bureau, nabango, à Paris, parce que traitement, y a actualité à Congo, Brazza, ça l'a qui bien était, d'autant plus que, bah, t'as qu'on accusait rédacteur en chef, qui est à Bala, moi, si naïe, Azali Congolaise à Brazza, membre, y a PCT, et Azali, n'a pas acquaintance, n'a famille présidentielle. Alors, avant de dire livre moko sur Paul Kagame est très élogieux et Azala qui a minimisé Makambo et les cas qui sont dans l'Est Congo. Alors, information, il y a publié que un transfuge, il y a FDLR, donc, bah, rebelle rwandais, ou bah, ça va SARDC, a sali défection. C'est-à-dire, à Kimi, bah, FDLR, et bah, récupéré dans le gouvernement rwandais et bah, débriefé, et ça dit, bah, yo qui est. Et, na Kati, il y a Maloba. Il y a Moutou Oyo Akimi, et vraiment, on a vraiment qu'ils allient manipulation à Makasi, Bazo Lobani. Bazo Lobake, transfuge Wana à lobby que Bango Bazalaka soutenu par armée congolaise. Pour comment on a Ntibi Baza à lobby que FDL Bazali en collision, c'est-à-dire bah, travailler ensemble dans l'autorité congolaise. Bah, FDLR, Moussous Bazali, qui occupait, bah, fonction de commandement, n'a qu'à t'y armée congolaise, et armée congolaise, n'est moutou, et fournissant à Bango, bah, arme. Alors, là, il ne faut pas vraiment, tout se voiler la face. Bah, FDLR, oh, bah, Outaka Rwanda, mouvement, n'est-ce pas créé par Banane, bah, Interamo. Pour Bango Bazali, bah, descendant à Interamo. Mouvement, n'est-ce pas créé par Banane. Bah, FDLR, Bazali, bah descendant y a bah interamo. Alors contrairement à ce que bat bakansake, génocide des salami, allez bah interamo ça dit bah Hutu, bah bomi bah tuti après armée française a kimisi bango na Congo. Et ça la vérité mon bah lobe la gaba tuti. Premier ou fondateur y a bah FDLR, comme on a eu Anastasia Gassana, Azali fondateur y a bah interamo, Azali tuti, Azala ka membre y a MRND. Parti à Abiyarimana, Ayeko quitté parti wana et Ayeko comme ministre na premier gouvernement ya FPR, ya Paul Kagame. Donc, ezali Hutu, Mutu a créé ba intera mouete, ezali touti. Ensuite, soki otali lisusu, Robert Kajuga, ezali touti pe, yekout azalaka un haut responsable ya ba intera mou. Bato peda bazalaka ba patron ba intera mou. Bangona ba koma ba FDLR. Ce qui totangi livre à Patrick Mbeko. Crime dans la région des Grands Lacs. Ce totali livre ya Pierre Payan. Carnage, guerre de puissance occidentale dans la région des Grands Lacs. To monani. Ba intera moi ba travayaka en connivence na gouvernement rwandais. Bango ba koma ko sécuriser ba mine. Bango ba ba krezaka. Donc ba FDLR, bango ba ba krezaka na ba mine. Bazo contrôler ba mine. Pour la compte, il y a FDLR, il y a Paul Kagame. Et que dans le livre, on a moussous au couteau comme on a, tant que les soldats rwandais, bakati saka ya batouti, soki bakati si, ba yela kame, ba interamwe, ba koli, ba lettre, ba famille, na bango na Rwanda, ba ye ba koutani na bango, ils sont tous ensemble. Et l'autre chose, les kana Congo, c'est quoi? Soki ba rwandais, ba lobby que, ba FDLR, ba zo travaille na armée congolaise. Mais l'armée congolaise est dirigée par qui? Kaka par bango, ba rwandais. Pour la biso, ba congolais, il n'y a pas de différence. Hutu. Touti, FDLR, Interamwe, FPR, ceux qui incontagni, ceux qui nini. Tous c'est des Rwandais, tant qu'ils bossent avec Paul Kagame, Bazali contre Bisso. Donc, il y a ça la netité que, avec découvrir vérité, Moko Boye, oh, Bazali 5000, selon officier Wana. Bazali 5000, na Nord Kivu, na Sud Kivu, Bazali armée, na armée congolaise, Bamisous Bazo occupé ba poste et commandement, sous-entendu Bazo menacer Rwanda.
pour na a trouver raison à kokatsa lisusu frontière. Or, na gouvernement ya Kinshasa, na ba FDLR, nyonso batunaye. Donc article wane zali manipulation, c'est un article mensonger, il faut tout telemela yango. Le qui n'a sujet à Paul Kagame, oh yaza kopé san kuruzi za ba leçon. Paul Kagame donne des leçons en kuruzi za les ridicules ne tuent pas. Paul Kagame encore il est président à Rwanda. Azo kamwa lobby à propos en Nkurunziza lobby, comment président Mobimba a koki ko passer temps na ye na kobomaka population na ye. A lobby o aza pasteur place nini ba comment na Bible qu'il faut boma peuple na yo. Et ba FDLR baza na Burundi bazali ko commettre ba massacre ya population, sous-entendu bazo boma ba tout. Et que soka salike ba te situation en Burundi zaka nette situation en Rwanda avant génocide, sous-entendu génocide lingé salama na Burundi. Donc ye lokola ba pesa ye mbeli ya ko stopaka génocide na monde ye, donc il faut pesa ye raison légitime ya ko katisa na Burundi po ba FDLR bazakuna po génocide lingé salama kuna po Nkurunziza utu alinga boma batuti eke ya katisa. Ce qui va le biba tala makambo a crime ba leçon ya linga pesa batu, mais c'est lui le plus grand criminel de l'histoire africaine. Donc ba leçon on a, si les ridicules pouvaient vraiment tuer linga ke ça la grave. Et article on a pe bokota ngango wapi kaka na jeune Afrique propagande tina niveau batu makufie bele ba million de morts bango baso koma ba article moko yo ezo caché moi projet moko boy mal intentionné. Hein, c'est, moi je trouve que c'est vraiment imprudent et bah, franchi Rubicon. Avant que le canard étape au Isaac-Hollande, est-ce que vous en avez compris? Ben, ceux qui sont allés à Bruxelles ou à l'Union européenne, vous voyez que le 11 novembre, ils allaient fin à la première guerre mondiale. Mais ils allaient à la guerre mondiale, ils allaient à la guerre occidentale, ils allaient à la guerre mondiale. Et que les Africains, ils allaient à la guerre mondiale, comme la chair à canon. Na guerre et talibangoti. Et ce que ça na pays moko e contribuer ka makasi e bunda na Afrique, na Europe. Ti na Asie to kena ko bunda, ti na Myanmar donc Birmanie. Ti na ba Inde to gagner ba guerre na Éthiopie. Wapi ezali pays na biso. Donc ce qui bo sali na Belgique le 11 novembre 2015 na square Riga na Skarbek na Bruxelles. Vraiment, ils allaient na manifestation moko hommage, bah au déposer bah gerbe de fleurs, bah conférence, bah kambouibélé sur bah anciens combattants, notamment bah Oyo Yabiso ya Congo, bah Koufaka na guerre wana. Donc Bokende et Bélé na square Riga, ils allaient na Skarbek na Bruxelles pour na ko célébrer bah anciens combattants na biso ya Congo. Bah ko koufa awa, mais bah toucha kambonga malongate. Bah anciens combattants belges, bah na salaire à munene. Ba o ya Congo bazana salaire a malongate ya muke batikala ka na ba médaille en tout cas basakana na bango soki ba congolais ba kei e belé ko manifester et ko sala déjà façon ya ko rendre hommage na ba ancien combattant wana mais ko sala façon pe ya ko interpeller Belgique à respecter ba koko na biso ba payer bango ba droit na bango. Donc square Riga, Skarbek, Bruxelles le 11 novembre, hommage aux anciens combattant communiqué aujourd'hui et pas il y a monsieur madame Elol Titi. Deuxième message Zali Kaka que weekend oyo en tout cas ba combattant presque nyon sur Europe ba ko se retrouver na Strasbourg place parlement européen Zali place institution européenne et belé Zali ba okuta na po na ba solo là sur ma solo ya combat ndenge nini ba ko réorienter combat pour na ko rendre yango encore plus efficace. Auditeur du jour, il y a le loco monaye Christian Bams, Azali, na Londres, Grande-Bretagne. Question du jour, il y a Lelo Ezali, enquête sur l'Iwa, il y a Général Mamadou Ndala. Et comment wapi? Ah, Ezala ki ba adef na loua, ba pe si ba réponse vite fait. Bon, allez. Mais il a été assassiné. Et zone où on est allé contrôlé par la FRDC. Ba Kundiye et l'équipe enquête. Ils allaient qu'on se poursuivre ou pas. Résultat et enquête, ils allaient nini.
Voilà, tu commences à analyser à Mkolo Alelo. Je remercie les auditeurs pour la fidélité de Wango. Je te remercie Yope pour l'analyse à Lelo. Tout le monde, au revoir. Et puis, beau se saisir dans le forum, beau débattre démocratiquement, sans insulte. Téléphone 0033 758 469 414. 0033 758 469 414. Au revoir et bonne journée.